Mon ami, c'est la même chose que je déclare ici, vous qui êtes sur Facebook. Pour toi qui viens d'arriver, pour toi qui ne connais pas, on est autour de la prière. C'est un moment où on se retrouve pour prier, où chacun lève la voix pour parler. La prière, ce n'est pas seulement aujourd'hui, vendredi, mais c'est pour tous les jours. Ta vie doit être une prière devant le Seigneur. Donc, que le Seigneur se rappelle de vous. Que le Seigneur se rappelle de vos combats. Que le Seigneur soit encore l'auteur de chaque chose. Si vous avez des prières, je vous ai dit, écrivez-le ici. Comme ça, on va lever la voix. Parce que c'est l'Église qui lève la voix. Nous sommes une Église en ce moment. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est lui. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est toi, moi, lui, vous. Ici, on est une vingtaine. En face de moi, ici, j'ai une vingtaine sur la conférence. Et vous, vous êtes là. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à cœur, si vous avez quelque chose, si vous voulez me parler directement, vous m'envoyez un message. Mais Dieu, il est fidèle. On est là pour passer ce moment avec lui, dans l'amour, dans la sincérité. C'est toi avec ton Dieu. Je dis tout le temps ici, ne cherchez pas Dieu pour moi, mais cherchez Dieu pour vous-même d'abord. Cherche à savoir pourquoi tu marches avec le Seigneur, pourquoi tu veux l'aimer. Même si je te donne un coup de boost, mais toi aussi, tu dois aller chercher. Tu dois creuser. Tu dois aller le chercher tous les jours, au nom de Yeshua. Alléluia. Oh! La Bible dit, ouvrez la bouche et je la remplirai. Alléluia! Hey, j'adore ce moment. Ce moment de prière. Oh, Pastelik, sois béni, sois béni. Que le Seigneur se rappelle de toi. Que le Seigneur t'équipe et que tu comprennes le choix que tu as fait de marcher avec Yeshua en esprit et en vérité. Merci Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Reviens à la maison, reviens à la maison, reviens à la maison. Reviens à la maison, reviens à la maison, rentre à la maison. Le Seigneur, c'est, en fait, bonjour Aurélia, comment tu vas Aurélia? Levez la voix, levez la voix, levez la voix. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Adrienne voulait prier tout à l'heure, mais je pense qu'elle a un problème peut-être avec son réseau. Ouvre ton cœur, ouvre, lève la voix. Personne ne va se moquer de toi ici, personne. Personne ne va se moquer de toi ici, là. Tant que je suis là, tant que c'est moi qui suis le leader de ce moment, il n'y a personne qui va venir se moquer de toi. Personne. On est tous là pour apprendre d'une manière ou d'une autre. On est là pour que le Seigneur, il ouvre les écluses des cieux. On est là. Oh, il faut tenir Aurélia. Tiens, 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 tiens. Moi, je prie pour que tu fasses une belle rencontre avec le Seigneur. Je prie pour que ce moment encore soit pour toi, le Seigneur puisse te toucher encore dans les profondeurs au nom de Jésus-Christ. Je prie encore ce matin. Et oh, Adrienne, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, Adrienne. Je sais que le temps va venir où tu parleras, où tu vas prier, où tu vas donner ton témoignage au nom de Jésus. Parce que je sais que ton témoignage va changer beaucoup de choses. Ça va toucher, ça va transformer. Donc, ne t'inquiète pas. Demain samedi, nous sommes en live sur TikTok. On va prier pour que le Seigneur aussi se rappelle de ce moment, qu'il nous accompagne. Oh, que le Seigneur donne la force à vous qui m'encouragez en ce moment. Comment vous voulez qu'au jour d'aujourd'hui, là, je dois laisser le Seigneur ou bien s'il y a quelque chose qui peut se passer dans ma vie, je vais laisser Dieu. Je ne peux pas. Quand je vois tout ça, même si aujourd'hui, moi, je pleure, vous savez, je m'accroche au Seigneur parce que je connais sa fidélité au jour d'aujourd'hui. Si je vois la fidélité de Dieu chez quelqu'un, chez vous, là où vous êtes là, et que moi, je n'accepte pas cela, c'est que non. Vous comprenez? Ah, oh, je ne sais même pas ce que je raconte. Mais en tout cas, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, je vous dis. Peu importe la prière que tu as lancée et qu'elle a peut-être, je ne sais pas combien d'années, mais sache que Dieu, là, il répond toujours. Nous avons lu, nous sommes à la fin de la Genèse. Bereshit, le commencement. On n'a pas encore fini de vivre la gloire de Dieu. Je vous ai dit, hein, vous allez tomber dans les maisons. Le Seigneur va vous visiter spécialement dans les maisons à cause de la lecture que vous allez voir. Je vais vous faire vivre par le Saint-Esprit la lecture biblique. Vous allez comprendre quel est le Dieu que vous priez. Oh, waouh. Ah là là. Oui, Aminata. Oui, maman. En fait, j'ai à cœur...
C'est nous les mamans qui sommes là de prier pour toutes les jeunes. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas, ma chérie. Pas du tout. On ne t'entend pas. Tu es loin. Pas du tout. Là, tu m'entends. Ah, là, on est bien, là. Ah, d'accord. J'ai envie de lire rapidement le message d'Adrienne. D'accord. Adrienne dit ceci. « Moi, mes cauchemars, un prophète m'a demandé de l'argent, j'ai refusé. Alors qu'avec vous, je ne fais plus de cauchemars. » Amen. Amen, ah. Amen. Oui, oui, Aminata. Oui, je disais que j'ai à cœur que nous, les mamans qui sont là, de prier pour nos, les jeunes filles, en fait. Pour les Alléluia. Filles. Pour les filles qui sont abusées, les petites filles qui sont abusées. Le Seigneur me met à cœur que nous, les mamans, nous devons beaucoup prier pour nos filles. Alléluia. C'est un fardeau que j'ai à cœur. Ah, en tout cas, les mamans, nous tous nous sommes concernés. Je suis même toi, moi-même maman. Et je crois que toute femme, même celle qui n'a pas fait d'enfant, est maman. Parce que maman, là, c'est un titre. Hein? Tu peux prendre un enfant qui ne t'appartient pas, ou qui n'est pas né de tes entrailles, mais être une maman pour cet enfant-là. Parce que le Seigneur nous a fait des mamans. Le Seigneur nous a fait. Hein? Donc, maman, là, ce n'est pas seulement l'enfant légitime, celui que tu as sorti de tes entrailles. Amen. Il y a des enfants qui ont besoin. Il y a des enfants qui sont abandonnés. Il y a des enfants aujourd'hui, comme Tayou me disait, dans la catastrophe qui est arrivée, il y a des bébés qui se retrouvent au jour d'aujourd'hui dans des orphelinats, qui se retrouvent aujourd'hui dans des pépinières. Pardon. Qui se retrouvent aujourd'hui dans des endroits où ils ont perdu leurs parents. Donc, toi, la maman qui pleure, toi, la maman qui te dit « je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas ». Voilà, voilà quelque chose. Des pouponnières. Ah, merci. Pouponnières. Ah, le français est devenu mélangé dans ma bouche ici. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez compris et puis vous m'avez aidé, non? Ah, c'est ça qui est là. Donc, du coup, il y a des enfants qui sont là-bas. Là, moi, par la grâce de Dieu, hein, je vais adopter. Par la grâce de Dieu, je vais prendre un enfant. Amen. L'enfant, yes. Là, Amen. Dieu lui-même, il sait là où je vais aller prendre cet enfant-là. C'est pourquoi je vous parle. Amen. Moi-même, je vais aller prendre un enfant. Là où le Seigneur va faire déposer mon pied, là, je vais aller prendre un enfant. Je vais amener ici, là, en Europe. Je vais garder cet enfant jusqu'à, même si je dois prendre deux, je vais prendre des enfants. Amen. Et puis, je vais les garder comme mes enfants. Ils vont porter mon nom, le nom de celui qui va être avec moi. Je vais prendre ces enfants-là. Ah, Amen. Parce que moi, le sujet des enfants me touche beaucoup personnellement. Donc, que le Seigneur se rappelle. N'oublions pas une chose, c'est que toutes ces histoires-là aussi, ça se passe. C'est à cause du péché. Donc, prions pour que le Seigneur se rappelle que tous ces enfants-là qui n'ont rien fait soient épargnés. Parce que tout ça, c'est une conséquence du péché. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le monde aujourd'hui qui peuvent être des fois incompréhensibles à comprendre. Mais les conséquences du péché font qu'on se retrouve là. Donc, si je vais parler à un cœur. Le Seigneur veut interpeller quelqu'un. La vision que j'ai en ce moment, le Seigneur a pointé le doigt sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'il parle avec quelqu'un comme ça, le doigt comme ça. Vous voyez ma caméra? Le doigt est comme ça sur la personne. Toi qui pleures que tu n'as pas d'enfant. Toi qui dis que ton ventre là n'a pas donné. Toi-même, tu peux te lever et puis tu pries. Et il y a aussi des enfants qui pleurent. Il y a aussi des enfants qui n'attendent seulement que tu leur donnes de l'amour. Ce n'est pas forcément l'enfant que tu vas porter dans ton ventre 9 mois qui sera l'amour de que toi tu vas manifester. Mais cet enfant qui entend, cet enfant qui crie, cet enfant qui pleure, cet enfant qui a besoin d'une maman qui va l'aimer en tant que chrétienne, en tant que femme qui disciple de Jésus. Hey, comprenez le message là ici dans l'esprit. Hein? Dieu là, il nous a fait mère depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, il t'a fait maman. Depuis la nuit des temps, il t'a fait maman. Sauf que c'est toi qui ne veux pas accepter le titre de maman parce que ça ne vient pas de tes entrailles. Comprenez le message ici, au nom de Jésus. Oh Seigneur, ta grâce. Il y a des enfants qui ont besoin, qui sont faits seulement pour la gloire de Dieu, pour que toi tu te lèves, pour dire que... Hey, tu vas regarder l'enfant là comme ça, là ton cœur va tomber. On raconte des histoires terribles. Des enfants qu'on retrouve dans des caniveaux, des enfants qu'on retrouve dans des toilettes, des enfants que... Mais Dieu a gardé les enfants là. Et puis cet enfant là arrive comme ça et puis il te regarde. Tu penses que c'est l'enfant de qui? Tu penses que tu vas prier d'abord, aller faire un jeûne pour dire que ah, c'est une rencontre. Même avec cet enfant là, c'est une rencontre. C'est une rencontre. Oh! Alléluia. Merci Seigneur pour ce sujet de prière. Parce que beaucoup de femmes souffrent au jour d'aujourd'hui. Elles ne sont pas capables de donner l'amour à un enfant qui ne fait pas partie de ses entrailles. Mais elle dit qu'elle aime Jésus. Ma sœur, si tu es là, commence à réfléchir. Si tu es là, commence à revoir ta vie. Si tu es là, commence à vraiment chercher qui tu es. La Bible dit qu'il n'y a pas ni grec, ni juif. On est tous pareils quand on a donné sa vie à Jésus. Vous comprenez? Donc, arrêtez de vous faire stérile
parce que vous pensez que vous êtes des stériles. Ce message est dans l'esprit. Et maintenant, toi, si tu veux un enfant de tes entrailles, qu'est-ce que Marthe a fait? Qu'est-ce que Marthe a fait? Marthe s'est levée, Marthe a ruminé, Marthe a prié, Marthe est venue devant le trône de gloire, Marthe est venue, elle se fait violence. Matthieu 11, 12, toi tu es là, tu pleures, toi tu es là, tu cries, toi tu es là, tu fais rien, tu veux te marier, mais hey, ton comportement, rien. Ah, laissez ça. Merci Seigneur pour ton feu. En tout cas, le Seigneur t'a pointé du doigt. Toi qui dis que tu n'as pas d'enfant, là, il t'a pointé du doigt. Il t'a pointé du doigt. Hein? Ça, c'est le doigt de Dieu. Il a pointé le doigt. Il t'a pointé le doigt. Hey, il y a des enfants qui pleurent. J'ai vu un témoignage un jour. Une famille française de souche blanc. Ils sont venus témoigner une fois à la télé. Ils ont pris un enfant qui était abandonné. Ils étaient des chrétiens. Ça m'a choqué dans mon cœur. Ils étaient des chrétiens. Et la fille disait oui. La femme a dit oui, je suis partie dans le fond. J'ai vu cet enfant par la grâce de Dieu. Et puis Dieu a fait qu'elle est dans notre famille. Mais tu sentais l'équilibre. Mais vous pensez, je dis toujours, hein, vous êtes là non, quand je vous parle. La bénédiction là, on a parlé de ça hier. Hein. On a parlé de la grâce, on a parlé de la bénédiction. Un enfant a besoin de toi aussi. Je ne suis pas en train d'inciter quelqu'un. Tout c'est la conviction. Mais si je parle de ça, c'est parce que le Seigneur vient d'appeler quelqu'un qui est ici dans ce groupe. Ou celui qui me regarde de loin ici, là, sur Facebook. Vous comprenez? Vous êtes des mamans. Le Seigneur a fait nous tous des mamans. Vous comprenez ça? Toi, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu ne vas pas aimer un enfant que tu vas voir parce que cet enfant-là, tu vas bloquer quand tu vas le voir. Parce que tu vas te dire que l'enfant-là, je ne l'ai pas porté dans mon ventre. Je n'ai pas senti les douleurs de l'enfantement. Vous comprenez? Alors que Dieu veut que tu prennes cet enfant-là et puis tu le gardes. Vous allez voir, moi, là, je vais prendre. Si c'est deux, je vais prendre. Je vais devenir maman. Je vais reprendre les bébés là. Je vais devenir maman là. Il n'y a que Dieu qui connaît comment il va faire. Mais ce qui est sûr, parce que ça c'est, je vous dis quelque chose qui est dans mon cœur depuis des années. Parce que Dieu m'a fait comprendre que toi tu es là, tu cherches les enfants. Alors qu'il y a des enfants qui sont là. Il y a des enfants qui ne cherchent qu'à être bénis. Des enfants que tu vas prendre, l'enfant là va t'aimer même plus que tes propres enfants des fois. Même si tu ne le dis pas que toi tu as été adopté. Il faut garder... Oh, Seigneur, aide-moi. Donc, arrêtez quoi. Le Seigneur nous a fait des mamans. Il nous a fait nous tous des mamans. C'est parce que tu veux rester seulement sur le statut d'avoir les entrailles, d'avoir tes entrailles. Hein? J'ai entendu des histoires, tellement des histoires. Hein? Parce que tu n'as pas fait des enfants, tu vas aller prendre un enfant que tu vas aimer. Maintenant, le jour où le Seigneur va te faire grâce de te donner un enfant, tu vas maintenant négliger l'enfant que tu as pris. Alors que cet enfant-là, la Bible nous dit quoi? Quand j'étais en prison, tu n'es pas venu me voir. Quand j'étais à l'hôpital, tu n'es pas venu me voir. Quand j'étais, on a dit quoi? Pouponnière. Hein? Hey, quand j'étais là-bas aussi, tu n'es pas venu me voir. C'est-à-dire que le Seigneur se met dans tous ses états pour que tu puisses nous regarder. Le Seigneur parle à une femme ici. Le Seigneur parle à une femme mature. Le Seigneur parle à une femme qui se plaint. Le Seigneur parle à une femme qui crie. Le Seigneur parle à une femme qui se lamente. Vous comprenez? Oh! Le langage du Seigneur. Donc, faut arrêter. Il y a des enfants qui ont besoin d'amour. Il y a des enfants qui ont besoin d'affection. Il y a des enfants qui ont besoin que tu leur dises, je t'aime. Il y a des enfants qui veulent te regarder avec des yeux de l'amour. Pourquoi ce sont les blancs qui font ça, qui ne sont même pas chrétiens? Alors que nous, Africains, là, c'est quoi le problème? Mais bon, les mentalités, Jésus, viens nous libérer, pardon, papa. En tout cas, tu as reçu ton message parce qu'il t'a pointé du doigt. Il t'a pointé du doigt ce matin. Il t'a pointé du doigt. Oh, que Dieu me fasse grâce. Alléluia, t'éclat. Laisse le temps. Laisse ça mûrir avec le temps. Mais ce qui est sûr, moi, là, un jour, ceux qui vont rester avec moi jusqu'au bout, là, vous allez seulement vous dire, oh là là, voilà mes bébés que je suis allée chercher. Et puis, Amen. Amen. Yes. Je vais seulement venir vous dire, oh, regardez mes bébés que je suis allée chercher. Parce que j'ai la compagne de mon oncle ici qui ne sont pas chrétiens, c'est pourquoi je parle de compagne, hein, qui m'a dit, mais j'ai ma tante qui est au service social au Gabon, donc je sens que quand le temps va venir pour moi, je vais aller regarder un enfant qui va me regarder avec le cœur de l'amour. J'ai dit, hey, mon cœur va seulement dandiner comme ça. Et puis l'enfant, je vais l'amener avec moi. Et puis je vais redevenir maman à nouveau. Voilà. Et puis je suis déjà maman, hein, mais le bébé là, ouais, Jésus, je vais le garder comme la prunelle, la prunelle de ma propre vie, là. C'est ça, sans différence. C'est ça qu'il faut penser.
les choses de Dieu là, c'est pas seulement le manger, c'est pas seulement les habits, c'est pas seulement tout ce que vous voulez faire là. Ah oui, ah catastrophe, ah vraiment Yako, ah Seigneur aide. Faut arrêter de parler comme ça. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour aider les personnes avec les catastrophes qui se sont passées? Qu'est-ce que je peux faire au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça qu'il faut penser. Là, on a une situation qui se passe en ce moment au Cameroun. C'est vrai que l'association n'est pas encore mise en place, mais on peut réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui on peut aider? Tayou a dit que demain, elle va là-bas. Elle va à l'endroit où même il y a eu la catastrophe. Je lui ai dit, ah Tayou, fais-moi des photos. Vous voyez? Fais des photos. Essaye même de voir s'il y a même une famille qui est là-bas, qui ont vraiment besoin. C'est comme ça qu'on fait. Donc, comprends que tu es une maman. Il faut arrêter de te limiter et croire que pour toi, être maman, c'est parce que tu dois porter un enfant dans ton ventre pendant 9 mois, dans tes entrailles, et puis tu vas accoucher, et puis tu vas crier de douleur. Mais Dieu aussi peut te donner des enfants. Comprenez? Des enfants qui ne sont pas de toi, mais qui sont de lui, mais qui te donnent comme responsabilité en tant que maman. Donc, tu te dois, toi, d'aimer Dieu correctement pour donner de l'amour à ces enfants-là. Vous n'êtes pas fatigué de voir toujours les autres faire les choses? Vous n'êtes pas fatigué de voir toujours les gens faire des choses? Vous n'êtes pas fatigué que on soit toujours enseigné alors qu'on est censé être la lumière du monde? Vous n'êtes pas fatigué de voir ça? Oh! Écoutez, baf aller-retour pour vous, gratuitement. Baf aller-retour pour vous, totote dans la bouche. Voilà. Alléluia. Celui qui veut prier n'a qu'à lever la voix. Oui, j'espère que j'ai réveillé l'esprit de quelqu'un ce matin. J'espère que j'ai réveillé l'entendement de quelqu'un ce matin. J'espère que ta mentalité va changer ce matin, que tu verras les choses différemment. Vous cherchez l'œuvre de Dieu dans tout et n'importe quoi. Vous cherchez l'œuvre de Dieu alors que des fois, il faut se concentrer, il faut s'arrêter d'abord et dire, mais qu'est-ce que Dieu attend pour moi? Qu'est-ce que Dieu attend pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire actuellement maintenant? Vous regardez seulement vos désirs à vous. Vous ne marchez pas avec l'Esprit de Dieu, mais vous marchez avec vos désirs personnels parce que vous pensez que Dieu peut te mener dans le monde-là et puis être avec des, et puis te donner des enfants, mais que toi, tu ne t'occupes pas de ces enfants-là. Vous ne savez pas ça? Oh! Je disais la même chose à ma mère. La dernière fois, c'est pas parce que tu n'as donné naissance que tu n'es pas maman. C'est ça. C'est le langage des gens. C'est parce que parce qu'en Afrique, les gens n'ont pas la mentalité de l'adoption. Moi, je suis quelqu'un de spécial, je crois. Hein. Parce que c'est pas parce que tu n'as pas eu l'enfant dans tes entrailles que tu ne peux pas être maman. Comprenez? Donc, c'est bon, quoi. Faut arrêter. Ah oui, c'est la cuillère, ma chérie. La totote, la cuillère, tout. Je vais vous taper avec ça demain. En plus, j'ai une jolie petite cuillère là que j'ai là. Elle est jolie comme ça. Et puis, c'est un cœur. Donc, celle-là, c'est celle que je vais utiliser demain. Marie-Claire, au revoir. Bonne soirée, en tout cas. Ah, merci Seigneur pour ce moment, pour ce grand moment-là. Donc, arrêtez de croire que vous êtes disqualifié parce que vous n'avez pas enfanté. Hein? On est maman à tout âge. Si tu as la capacité de supporter les caprices des enfants, de bébés, là, va prendre ton enfant. Il y en a qui cherchent là-bas, là. Ils sont pleins. Hein? C'est parce que je ne vais pas parler n'importe comment ici, là, sur les réseaux. Ce sont les gens, là, un de double SIM. Ce sont eux qui vont chercher ces enfants, là. En plus, il les choisit bien comme il faut, les doubles SIM, là. Et puis, vous êtes là assis en tant que chrétien. On vous prend vos enfants là-bas pour faire devenir n'importe quoi. Mais vous êtes là parce que moi, je n'ai pas accouché, parce que moi, je n'ai pas gardé 9 mois dans le ventre. Tu ne peux pas aimer un enfant à l'extérieur. Et tu es la première. Le mal, là, même ça, oh, ça tombe même. Faut pas m'énerver. Vous allez retour. Faut pas m'énerver. Alors qu'il y a un enfant qui pleure là-bas, qui t'attend. Toi, tu es là, moi, hein, machin. Moi, je ne peux pas faire les enfants. Les enfants qui sont là-bas en train de pleurer, c'est les enfants de qui? Il ne faut pas m'énerver, pardon. Double baffe aller-retour pour toi. Qu'est-ce que c'est? Toi, tu veux faire enfant à 60 ans. Il n'y a pas de problème. Hein? C'est ton choix, c'est ta foi. Mais l'enfant là qui pleure là-bas, là, c'est l'enfant de qui? Lui-même, le Seigneur a dit. Vous riez. Vous n'avez pas fini avec les baffes aller-retour. Vous allez voir. Un jour, je vais venir ici avec un t-shirt. Baffe aller-retour pour toi. Vous êtes là, vous criez. Alors qu'il y a des enfants qui sont là, qui vous attendent. Le Seigneur a dit une chose, hein, quand j'étais en prison, je ne vous ai pas vu. Quand j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Vous pensez qu'il parlait de quoi? Vous parlez de quoi?
J'espère qu'aujourd'hui, j'aurai l'occasion d'aller chez le, aller au supermarché pour aller me chercher une totote. Comme ça, je vais vous coller ça dans la bouche demain. Donc, vous comprenez. Oh, changez vos mentalités, s'il vous plaît. Changez les mentalités. Allez-y voir ce qui se passe chez nous. Ici, là, moi, je suis en France. Il y a beaucoup de choses qui se passent déjà, beaucoup de choses qui ont été mises en place. Ayons cet esprit-là. Tu ne peux pas dire, toi, tu aimes Dieu. Tu es là, oui, Jésus, rakakakaka, parler en langue, tu pleures dans la présence du Seigneur. Mais quand on te dit que, ah, il y a l'enfant là qui a besoin, te voici, si tu es devenu gongongon. Tu n'as pas compris quelque chose. C'est que tu n'aimes pas Dieu, hein. C'est que tu as un problème avec ta foi. Tu as un gros problème avec ta foi. Oh, Seigneur, ta grâce. Ouh, vous avez chauffé mon cœur ici. Vous avez chauffé mon cœur. Vous avez chauffé mon cœur. Le Seigneur nous aime tellement que il nous dit souvent les choses très clairement, quoi. Mais sauf que on a nos besoins à nous et puis après on se trompe. Après on crie parce que ces enfants-là sont pris que par d'autres personnes. Et vous êtes les premiers à dire oui, pourquoi il a fait ça? Mais toi, tu étais où? Est-ce que ça ne te concerne pas aussi ce qui se passe à côté? Est-ce que ça concerne seulement d'autres personnes? À quel moment toi aussi tu te poses et tu dis, ah, la situation aussi peut me concerner? Quand on est chrétien là, on ne réfléchit plus comme le monde. On réfléchit comment Dieu voudrait que tu fasses les choses. Moi, j'ai toujours voulu avoir les jumeaux, mais je sais que les jumeaux, là, je vais les faire, même si je ne les fais pas là. Je vais les prendre, des jumeaux, deux enfants. Ce n'est pas grave. Et je vais les garder comme mes enfants, comme ceux qui sont, ceux qui étaient dans mon ventre là, que j'ai accouché. J'espère que le Seigneur vous a interpellé ce matin encore. Et que vous allez comprendre quelque chose. On a un livre de vie. Hein? On a un livre. Le livre que le Seigneur va commencer à dire que hey, tu étais où quand c'était comme ça? Tu étais où? Tu étais à quel endroit? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà. Que le Seigneur soit béni en tout cas pour ce moment encore de délivrance. Merci de nous ouvrir les yeux et le cœur. Mais il faut. C'est important. Nous ne voyons pas seulement les choses de l'autre côté. Adrienne, nous, on vit ici en Europe. Il y a des choses qui se passent en Europe. Il y a tellement de choses. Je ne vais pas parler ici, là, sur les réseaux. Hein. Mais il y a tellement de choses qui se passent. Tellement de choses. Tellement. Vous ne savez pas. Tellement de choses. C'est pourquoi je dis à chaque fois que réveillez-vous. Créez aussi des choses. Créez des crèches. Créez des orphelinats. Créez des choses où vous savez que les enfants-là vont être là-bas. Créez des choses parce que vous savez que vous avez la protection de Christ. Parce que ces enfants-là, vous allez les garder correctement. Hein? Mettez le cœur devant le Seigneur. Moi, je vais ouvrir un orphelinat si Dieu veut. Ça va se passer au Gabon peut-être, ou je ne sais où, mais voilà. Je vais ouvrir un orphelinat. Parce que la promesse que j'ai faite au Seigneur, c'est que papa, je ne sais pas quelle était la promesse que je lui avais faite, lui et moi. J'ai dit, papa, voilà ce que moi j'aimerais faire. Mais j'aimerais, parce que si vous avez compris, non, la progéniture, vous n'avez pas compris quelque chose. Ce sont les enfants qu'on veut détruire au jour d'aujourd'hui. Vous n'avez pas compris encore. Ce sont les enfants qu'on veut détruire aujourd'hui. C'est la génération là qu'on veut détruire aujourd'hui. La génération de demain là, ceux qui doivent construire, c'est ceux-là qu'on veut attaquer avec tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. J'ai dit au Seigneur, papa, il y a des enfants dans mon village là-bas qui ne savent pas lire. J'aimerais les apporter des livres. L'éducation, la lecture, parce que la lecture amène déjà quelque chose. La lecture peut te faire rêver. Le fait que tu prends seulement un livre, puis tu t'assois comme ça, là, ça t'amène déjà, ça développe ton esprit. Ça t'amène déjà à rêver de la France, à rêver de plein de choses. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît. Ah, tata, j'ai mal au cœur, que le Seigneur pense, prenne sa place, qu'il règne là où on a mal. Que toute personne bannie des zones d'ombre pour laisser le Seigneur faire son travail. Que le Seigneur m'aide à travailler son amour autour de moi et de mon cœur. Alléluia, ça c'est une prière. Priez pour Anaïs. Lève la voix et prie pour Anaïs. Oh Anaïs, ma chérie, que le Seigneur se rappelle de toi. Anaïs, je vois ton cœur devant le Seigneur. Anaïs, je vois combien de fois tu as été touchée par cette parole. Je vois combien de fois tu es touchée par l'amour de Dieu. Je vois comment tu veux te lamenter. Tu te lamentes dans ton cœur, en fait.
Annalise, j'ai envie de te dire ceci, ma chérie. Chaque chose, le Seigneur, c'est le Dieu du temps. Si le Seigneur n'est pas venu avant, c'est parce que ce n'était pas le temps. Le Seigneur tourne avec une horloge. Tu comprends? Donc, ne te sens pas comme tu veux te sentir là. Le fait que tu sois déjà là le matin. Anaïs, on s'est vu sur TikTok. Tu n'as pas voulu venir là. Je t'ai dit, Anaïs, viens faire un tour. Viens regarder. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ton cœur, reste. Si tu sens que tu n'es pas prête pour rester, parce que moi, je ne force personne. Parce que j'estime que celui qui est prêt à être à un endroit, c'est parce que c'est d'abord pour lui-même. C'est pourquoi je vous dis, cherchez d'abord Dieu pour vous-même. Moi, quand Dieu est venu me chercher là, je n'étais pas avec vous. Donc, c'est pourquoi le comportement que vous allez avoir là, tant que moi j'ai l'intimité avec le Seigneur, ça va m'affecter, mais je vais me rester pour moi dans le calme. Et je vais seulement regarder. Aujourd'hui, tu es là maintenant, ma grande. Tu entends beaucoup de choses et puis ça touche ton cœur. Donc, sache que les témoignages que tu entends ici et là, toi aussi, tu vas témoigner. Et je crois que le Seigneur va te remplir de son amour. Je crois que maintenant, Anaïs, là où tu es là, il y a la présence du Seigneur sur toi. Je vois le Seigneur te prendre dans les bras. Je vois le Seigneur te prendre dans ses bras actuellement, Anaïs. Parce que tu es en train d'ouvrir ton cœur au Seigneur comme une rose qu'on est en train de mettre, de couler de l'eau. La parole que tu écoutes là te ramène au Seigneur, en fait. L'amour de Dieu. Reçois maintenant l'Anaïs là. Tu es rempli de l'amour de Dieu maintenant. Anaïs, le Seigneur va te délivrer de tout ce qui n'est pas de toi, de lui, dans toi, dans ta vie. Il a déjà commencé un processus dans ta vie, Anaïs. Anaïs, continue à croire, continue à aimer le Seigneur, je te promets. Il va restaurer ta vie. Il a déjà restauré ta vie. Moi, je vais te parler au présent. Il a déjà restauré ta vie. Tu comprends? Ta vie est restaurée au nom de Jésus, Anaïs. Il est tellement amour. Tu comprends? L'amour que tu es en train de parler là, tu ne l'as pas encore expérimenté. Moi, je prie que tu l'expérimentes encore dans les profondeurs. À ce moment même, Anaïs, le Seigneur est à côté de toi. À ce moment même, le Seigneur est en train de t'envelopper. En ce moment même, il y a une grâce, il y a un feu, il y a une présence sur toi actuellement au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il entend ta bouche. Quand tu parles devant le Seigneur, c'est comme un parfum de bonne odeur. C'est comme si en fait les offrandes que tu fais dans ton cœur, parce que tu es sincère, Anaïs. Anaïs, ton cœur est rempli comme ça. Ton cœur est lourd comme ça. Je vois ton cœur qui est lourd, on dirait un sac. Dépose devant le Seigneur. Ne te fais pas des crises cardiaques, Anaïs, tu as beaucoup souffert, mais tu n'es pas la seule à souffrir, Anaïs. Si moi je te donne mon témoignage, tu ne vas pas contenir ça. Mais sache que tu as fait la bonne part et tu as choisi de faire le choix de marcher avec Jésus. Et sache une chose, Anaïs, tant que je suis sur cette plateforme autour de la Bible, tant que tu es là à côté de moi, je ferai tout pour t'amener au ciel. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Je ferai tout de mettre les moyens. Je ne t'amènerai peut-être pas au ciel, mais je te donnerai les clés pour aller au ciel. Tu comprends? Parce que l'homme a le cœur tortueux. Amen, Tata. Je voulais